Il disputera son 29e combat demain soir. Jesús Averevalo qui compte à son palmarès 25 victoires dont 15 par KO pour 2 défaites seulement. C'est-à-dire qu'il a 60% de victoires par KO, c'est un puncher. Voilà, monsieur Miguel de Pablos Espagne qui sera le superviseur de ce championnat WBC Silver des poids légers, moins de 61 kg, 235 grammes sur la balance, je vous le rappelle. On accueille maintenant le tenant du titre WBC Silver, il est le meilleur poids léger français, numéro 2 mondial. Merci d'accueillir Yvan Mendy. Le lion, affûté comme jamais. Yvan Mendy, 39 victoires, dont 18 par KO pour 4 défaites. Yvan qui a été plusieurs fois champion de France, champion... Cinq fois, champion de France, champion de l'Union Européenne, champion de WBC, Silver. Et si tout se passe bien, c'est la dernière étape avant le championnat du monde, puisque le vainqueur sera désigné challenger officiel du champion, Mickey Garcia. Yvan, combat très important dans l'histoire de ta carrière, dernière étape avant le championnat du monde. Comment tu abordes le titre? Quelle information tu as sur Jesús Averevalo? Les informations, c'est un boxeur sud-américain, donc c'est le style, ça avance, ça met des coups, ça met une pression constante. Donc faudra être prêt, je suis prêt physiquement, mentalement. C'est la première fois que tu boxes en vedette à Levallois. Tu as déjà boxé à Levallois, mais jamais en vedette comme ça. J'ai eu la chance de boxer 3-4 fois à Levallois, 4 fois. Ça m'a bien réussi, j'ai toujours gagné, donc voilà, demain j'espère pas y récidiver. Que tu ressens une pression supplémentaire, sachant que c'est le combat de ne pas rater, la dernière étape avant le titre mondial? Au contraire, j'ai pas de pression, j'ai envie de prouver que je fais partie des meilleurs boxeurs au monde, et demain être en main event de cette réunion, bah, ça permet de prouver que je suis vraiment au niveau pour disputer un championnat du monde. Avec l'envie de faire le spectacle? Une grosse envie, et demain, voilà, c'est la leur parce qu'il y aura une belle opposition. C'est le main event de la soirée avec Yvan Mendy pour la ceinture WBC Silver des poids légers. Voilà, c'était le dernier combat de la soirée. Il y aura 6 combats professionnels, un combat amateur. Je vous rappelle l'ouverture des portes à 18h, premier combat à 18h30. L'ouverture du direct de SFR à 20h précise avec dans l'ordre des combats. On commencera par le championnat de France féminin entre Fatima El Kabous et Anissa Mexen, puis le combat de Christian Mbili, celui d'Oscar Rivas, le choc des poids lourds avec Johan Duopa contre Naofel Wata, et on termine en apothéose avec Yvan Mendy contre Jesús Averevalo pour la ceinture WBC Silver. Merci beaucoup d'être fidèle à la boxe, je vous rends le rendez-vous demain, ouverture des portes à 18h et 20h pour le direct de SFR. Merci beaucoup.